Dans les années 90, la multiplication des jeux de baston a poussé les développeurs à trouver des moyens de se démarquer de leurs concurrents. L'avènement des consoles 32 bits et de la 3D a notamment vu la démocratisation des combats à l'arme blanche. Aux côtés des Toshinden, Star Gladiator ou encore Last Bronx, une série s'est particulièrement fait remarquer, la saga Soul Calibur, qui fit ses débuts sur arcade et PlayStation en 1996 sous le nom Soul Edge. Bienvenue sur la scène de l'histoire. Au cours de l'année 1995, quelques mois après la sortie de la PlayStation au Japon, le partenaire de Sony, Namco, annonce l'arrivée d'un jeu de baston révolutionnaire. Intitulé Soul Edge, il a pour ambition de redynamiser les jeux de combat. À l'image de Tekken, le titre est d'abord conçu sur System 11, une carte d'arcade basée sur le hardware de la PlayStation, avant d'être porté sur la console de salon. Dès ses prémices, Soul Edge a pour objectif de supplanter la référence du jeu de baston 3D, Virtua Fighter, tout en proposant une autre approche du fighting game. Namco va se donner les moyens de ses ambitions avec une réalisation de haute volée, et ce dès l'inoubliable séquence d'introduction et sa chanson légendaire. Il s'agit également d'un des premiers jeux à avoir utilisé la motion capture pour proposer des mouvements d'un grand réalisme. Dès le départ, les développeurs décident d'offrir une grande variété d'armes. Elles peuvent d'ailleurs se briser, obligeant le combattant à poursuivre à main nue. Soul Edge est également notable par le soin apporté à son histoire. Le jeu se déroule au XVIIe siècle et met en scène des guerriers venus des quatre coins du monde, du Ronin Mitsurugi au chevalier Siegfried en passant par Sophitia, championne des anciens dieux grecs, Taki la Kunoichi, chasseuse de démons, ou encore Voldo, personnage aussi étrange que perturbant. Tous ces combattants transcendent l'histoire et le monde en quête de Soul Edge, une épée aussi puissante que maléfique détenue par le pirate Cervantes de Léon. Cette saga épique offre à Namco l'opportunité de proposer une grande variété d'atmosphères et d'environnements, et un grand soin a été apporté à l'histoire personnelle de chaque belligérant. Lors de sa sortie en 1996, Soul Edge, renommé Soul Blade en Occident, impressionne les joueurs. En plus d'être graphiquement très fin et coloré, le jeu charme les possesseurs de PlayStation grâce à son roster convaincant, son gameplay soigné et une ambiance remarquable. Le jeu de Namco se montre en plus très accessible, lui permettant de séduire un public pas forcément expert des jeux de baston. Le pari est donc réussi pour l'éditeur japonais qui parvient à faire de ce nouveau titre un incontournable de l'ère 32 bits. Et comme un succès en appelle un autre, Namco ne tarde pas à envisager une suite. The grueling battle ends with the victory of Haki. You win. Convaincue par le potentiel de Soul Edge, la firme japonaise annonce un nouvel épisode en 1998. À l'époque, la réussite du premier épisode fait un peu d'ombre à Tekken, l'autre série phare de l'éditeur. Plutôt que mettre les équipes en concurrence, la direction de Namco choisit la voie de la coopération et demande à ses employés de s'entraider. Les développeurs vont alors unir leurs compétences afin d'exploiter au mieux les derniers progrès technologiques. Cette alliance de talents va conduire à la création d'un jeu graphiquement spectaculaire, Soul Calibur. Soul Calibur voit d'abord le jour en arcade avant d'être porté sur Dreamcast. Au-delà de la qualité de sa réalisation, sa grande force réside dans la fluidité des enchaînements. Pour parvenir à ce résultat, Namco a organisé de longues sessions de motion capture en faisant appel à des spécialistes de plusieurs disciplines. Par ailleurs, l'éditeur a instauré le principe du 8-way run, qui consiste à autoriser le déplacement du personnage dans 8 directions différentes. Ce procédé, issu d'un prototype destiné à un jeu abandonné, va permettre aux joueurs de se déplacer librement dans l'arène, enrichissant par là même ses possibilités tactiques. On note également que les armes ne sont plus destructibles. Bien que Soul Calibur conserve l'accessibilité de son prédécesseur, sa courbe de progression est telle qu'il faut plusieurs mois pour maîtriser à la perfection son personnage fétiche. L'histoire commence 3 ans après la fin de Soul Edge. Après la défaite de Cervantes, l'épée maudite a trouvé un nouvel hôte en la personne de Siegfried. Le héros déchu a été transformé en un monstrueux chevalier démoniaque nommé Nightmare, semant terreur et désolation. Une fois de plus, des combattants anciens et nouveaux prennent la route, inexorablement attirés par la destinée. La création de ce nouvel épisode demandera pas moins de 80 personnes et 14 mois de développement intensif. À son arrivée dans les salles d'arcade, le jeu fait un carton. Namco envisage alors de le porter sur console de salon et réfléchit à une adaptation sur PlayStation. Mais c'est finalement vers la Dreamcast, la console la plus puissante du moment, que l'éditeur se tourne. En interne, cette décision est forte, car Sega et Namco sont des concurrents historiques sur le marché de l'arcade. Certains employés tenteront même de s'y opposer.
Cette version Dreamcast sortira finalement en août 1999 au Japon, un peu plus d'un an après la version arcade, même si le développement proprement dit n'aura duré que 7 mois. La gifle que représente cette version Dreamcast est si colossale que Famitsu attribue la note de 40 sur 40. Ce n'était arrivé qu'une seule fois auparavant, pour Zelda Ocarina of Time. Soul Calibur, en plus d'être une claque visuelle, est un jeu au gameplay très abouti. Le timing des animations est d'une précision rare et les combattants réagissent au quart de tour. Par rapport à la concurrence, le jeu de Namco se démarque également par un contenu très dense. En dehors des classiques modes arcade, versus et survival, le titre intègre un mode mission très prenant et va même jusqu'à ajouter une option Team Battle dans l'esprit de Virtua Fighter 3. Salué unanimement par la presse et les joueurs, le jeu est à la hauteur de l'attente suscitée. Très en avance sur son temps, Soul Calibur est une telle prouesse qu'il est encore remarquable de nos jours. D'ailleurs, Namco envisagea un temps une nouvelle version arcade intégrant les nouveautés et améliorations de la version Dreamcast, mais abandonna finalement cette idée. À la place, l'éditeur préféra commencer à réfléchir à l'élaboration d'une suite encore plus aboutie. Transcending history and the world. A tale of souls and swords, eternally retold. Soul Calibur 2, à l'image de son prédécesseur, est d'abord conçu pour l'arcade avant d'être adapté sur console. Près de 50 personnes sont rattachées au projet et travaillent pendant une quinzaine de mois à l'élaboration de cette suite. Si l'accent est mis sur les graphismes, l'équipe s'efforce à proposer toujours plus de contenu et améliorer le réalisme des combats. Dans cette optique, les artistes se voient confier la réalisation d'arènes possédant plus de relief que dans l'épisode précédent. En revanche, l'action reste concentrée dans un espace limité afin de conserver toute son intensité. Sans être révolutionnaire, Soul Calibur 2 offre tout de même quelques nouveautés sympathiques, comme l'ajout de 4 nouveaux combattants et une augmentation considérable de la palette de mouvements. Sa principale innovation réside dans la relation entre les coups verticaux et horizontaux. Les affrontements sont encore plus vifs que sur Dreamcast et la courbe de progression demeure très importante. Techniquement somptueuse, cette suite propose également une particularité de taille. Comme il s'agit d'un jeu multi-support, Namco a essayé de diversifier son offre et a intégré un personnage exclusif à chaque plateforme. Sur Xbox, l'éditeur a obtenu les droits de Spawn, le personnage de comics créé par Todd McFarlane, tandis que la PlayStation 2 propose Heihachi, un combattant issu de la série Tekken. Mais c'est sans doute sur GameCube que le bonus est le plus gratifiant. En accord avec Nintendo, les développeurs ont ajouté le personnage de Link de la série The Legend of Zelda. Avec son épée et son look, le héros de Hyrule s'intègre parfaitement à l'univers de Soul Calibur. Les joueurs peuvent même utiliser son arc et ses bombes. S'il n'a pas tout à fait l'aura de son prédécesseur, Soul Calibur 2 est une franche réussite et encourage bien évidemment la mise en chantier d'un nouveau volet. Exclusif à la PlayStation 2, Soul Calibur 3 est sorti tardivement sur cette machine et n'a pas autant marqué les esprits que ses aînés. Il demeure malgré tout très agréable et rappelle par certains aspects Soul Edge, notamment au niveau de la narration. Au sein même de Namco, les développeurs regrettent néanmoins que le jeu n'ait pas été plus équilibré. Si les personnages inédits sont très sympathiques, la différence de puissance entre certains combattants s'avère trop criante. Soul Calibur 3 n'en reste pas moins réussi sur le plan technique avec des décors animés variés et des animations toujours aussi splendides. Les esprits chagrins regretteront un aliasing trop présent. Heureusement, Soul Calibur 3 se rattrape avec son contenu, aussi dense que pour ses prédécesseurs. On notera par exemple la possibilité de créer son propre personnage de pied en cap, ou bien le mode chronique de l'épée, dans lequel le joueur peut prendre part à des batailles stratégiques en temps réel, dont le principe et la présentation rappellent la série des Ogre Battle. Aucun mode en ligne n'est en revanche disponible. Après plusieurs épisodes supplémentaires, pour la plupart chroniqués sur No Life, la série Soul Calibur a commencé à perdre de sa superbe. Les possesseurs de Xbox 360 ont eu la possibilité de s'essayer à Soul Calibur premier du nom, mais l'adaptation du jeu Dreamcast n'était pas à la hauteur des espérances, puisque ce portage souffrait de la disparition de certains modes de jeu et de bandes noires. Namco a même proposé ce classique sur les portables et tablettes de la marque Apple, mais là encore, le titre était lourdement amputé. Certains joueurs conservent toutefois l'espoir d'un retour en force de la licence. Des bruits de couloir suggèrent qu'un nouveau Soul Calibur serait à l'étude pour la génération actuelle de consoles. Qui sait, peut-être que l'E3 sera l'occasion pour Namco d'annoncer un nouvel épisode. Après tout, les légendes ne meurent jamais.